a choisi de se faire accompagner par Raph et par Anna de Inspire pour justement ne pas avoir à se soucier des petits détails. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont souciés, ils se sont occupés de tous les petits détails. On a eu juste, nous, à choisir l'appartement. En plus, ils ont tellement bien fait le brief qu'à la première visite, c'était le bon. Donc voilà, on a décidé de se faire aider parce qu'on savait que c'était un projet qui irait au bout. Et en quelques mois, ça a été fait. Sinon, tout seul, je pense qu'on ne serait pas allé au bout du projet. Moi, on avait un projet d'achat l'an dernier et j'ai fait un séminaire sur l'immobilier tout un week-end. Et est venu un chasseur d'appartements qui expliquait ce qu'il faisait. Et quand il a dit qu'il allait visiter les appartements en vacances, j'ai dit « Ah oui, donc ce n'est pas du tout mon truc. » Mais par contre, je suis persuadé qu'investir dans l'immobilier, c'est une bonne chose. Donc en fait, l'homme a parlé de Anna qu'elle avait rencontrée sur un salon. Et donc, on les a rencontrés effectivement. Et je pense que sans eux, l'argent aujourd'hui, on l'aurait mis dans autre chose, mais pas forcément dans l'investissement. Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que finalement, il faut voir de prendre un chasseur d'appartement et en particulier Anna et Raph comme un investissement pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et puis finalement, c'est un investissement que vous récupérez parce que entre la négociation, entre trouver le bon bien, la négociation avec les banques, la négociation avec le vendeur, etc., etc., finalement… On a gagné de l'argent aussi. On a gagné du temps. On n'a pas gagné que du temps, on a gagné aussi de l'argent. Donc voilà. C'était un investissement et en plus, ils ont fait ça avec tout leur cœur, tout leur professionnalisme, chacun avec sa spécificité. Donc, et en plus, c'est avec une chouette énergie. Et puis oui, et puis comme nous, c'est la première fois qu'on achète en 15 ans, en fait… C'est bien parce que j'ai comparé hier Anna à un docteur, c'est-à-dire qu'un docteur, il voit des patients toute la journée. Donc en fait, quand il voit une grippe, ça ne le fait pas peur. Alors que pour quelqu'un, quand il a la grippe, forcément, c'est important. Mais là, c'est pareil pour l'appartement. Nous, c'est un appartement en 15 ans. Donc, c'est notre premier achat, donc on pourrait avoir des doutes. Mais elle, comme elle voit des appartements toute la journée, au final, donc elle le prend avec la distance. Et c'est cette distance qui nous aide à avoir à avoir des bonnes choses ensuite, quoi. Voilà. C'était un peu long. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci.